Une visite à Vision 2000 s'est imposée. Samedi soir, les réceptionnistes sont absentes, mais tiens, tiens, il y a l'incontestable tombeur de ces dames, Ed Lozama, qui anime tous les soirs son programme After Hours pour nous recevoir. Comment de faire une idée ça, monsieur? Bon, c'est peut-être à mes patrons que nous devons poser des questions ça, mais parce qu'un patron va te faire une idée. Mais pourquoi que le patron était vraiment conscient de ça que la radiodiffusion a fait dans le 20e siècle là. Et il est vrai qu'on est capable de dégager avec n'importe moyen, mais si moyen est disponible au point de vue technique. Et donc, il a fait acquisition de l'appareil qu'il faut pour capable créer une radio à niveau que nous voulons arriver. Hein. Et donc, seulement MKD, c'est compliment pour eux. Donc, l'essentiel, c'est que nous équipe pour notre travail, c'est à nous-mêmes qu'on y a pour notre travail et pour nous voir si nous sommes capables de satisfaire l'objectif que vous avez établi. Et informatique, là-bas, qu'on retire de communication ces temps-ci. Donc, avec ordinateur, il devient beaucoup plus facile pour faire une série de bagages. Une série de, en tant que producteur, on doit gagner une série de bagages en tête que tu as réalisé, qui est capable de prendre un pile temps pour réaliser le manuellement avec des tapes, cartridges, avec la façon traditionnelle dont on fait la radio. Mais avec ordinateur, avec les programmes que nous disposons ici, il vient rendre beaucoup plus facile côté capable de concevoir un bagage dans le matin et puis diffuser l'après-midi. Et il aide en pile dans ce sens-là. Au point de vue de mettre en nom de l'autre monde qui manipule, et me toujours faire connaître depuis à l'avance que c'est beaucoup plus impressionnant qu'en réalité. Il est très simple, très facile à opérer pour que vous connaissiez Basio. Et son complémentaire à jeune garçon haïtien, nous voyons qu'il est adapté aussi facilement, aussi rapidement. Et je crois un bon exemple. Par exemple, pour venir aujourd'hui à Loco, par exemple, qui vient seulement une semaine ici, et nous déjà la gueule sur ordinateur, et qui fait très bien. Moi, je monitore le deux, je m'écoute pour que j'aime bien qui parti. Donc, je crois que c'est un complément à l'intelligence des jeunes haïtiens qui sont capables de manipuler un système que blanc fait que mène à nous prenons nos services avec. Au début, le radio a diffusé les émissions d'essai et avec toute technologie que nous mettions. Donc, de temps en temps, on a essayé quelques appareils, essayé quelque chose. Donc, dans un premier temps, on a diffusé musique seulement. Et puis, dans un second temps, donc, le micro fut installé, on a checké son. Donc, moi, j'ai vu dans le micro, on a pour introduire deux, trois musiques. Il y a la troisième étape, on a installé le téléphone. Donc, il faut que nous essayions le téléphone pour s'il fonctionnait. Donc, alors, on a demandé si quelqu'un a pour nous arriver, solliciter quelques musiques. Il est arrivé que c'était musique slow américaine comme d'habitude. Et tout d'un coup, comme ça, et puis, il a commencé à faire les terrains. Bon, on a libéré le nom. Puisque c'est presque dernière émission pour journée, hein? Hours after, anglais, after hours, et puis le tombé, puis nous voilà aujourd'hui. Laissons de côté la production et rendons-nous directement au studio. Car depuis quelques minutes déjà, c'est Loco qui monopolise l'écoute avec ton émission Vision sous compas. Et il nous explique. Bon, comme ça que à chaque fois que le monde dans la vie, on prend une étape, en fait, on ouvre l'étape. Son nouvelle expérience que j'ai pour tout. Donc, c'est confirmé. J'ai changé d'adresse. Et maintenant, je suis sur le 99.3 FM. Et je veux que d'abord présenter ma vue de grand parce que les présentations que je fais déjà dans les coulisses. C'était la première fois moi-même, Calix, j'ai vécu un moment aussi intense. Parce que c'est la première fois que je viens à accueillir une radio, par exemple, dans toutes les radios que je passe, la première fois que. On a dû accueillir avec autant de chaleur. Panique et pour Jean et monsieur Tefé va être très bien d'ailleurs en introduction. On panique fait connait que soit dans le coin de morgue le coin. Bon ben ça va me dire que moi même c'est parce qu'il y a un problème avec elle parce que moi même qui pratiquement mon naïf va me dire que le jour et que ben ça fait là moi même obligé relim parce que à partir de 9h du matin donc un aide qui font tapage avec ça, et puis en plus, M. Boulos se tient à ça tout, que je ne parle pas comme ça, en fait, de deux fois, qui était sorti, ouais, en quelque sorte, de ordinaire. Donc, il y a une imagination par monsieur, qui était fait si monter ça. Et vraiment, que quand c'était 9h du matin, 10h, parce qu'à 11h, on doit se poser pour un micro normalement, 10h, donc, tout le monde a commencé à parler. Et il y a même des amis qui font des placements, viennent là, juste en radio, viennent demander des explications. Et bon, on est même très excité. Et bon, c'est à la fin, enfin, là, je suis obligé et cool down. Ouais. Donc, il faut me dire que moi, vous naïve, parce que tout le monde a de vous naïve étant, pensez vraiment que vous m'avez qui arrive. Moi, j'ai effectivement, pour me rassurer, je suis obligé de parler avec eux. Et puis à 11h, je me dis, bon, pas rien, donc c'est juste un montage de dessus. Donc, et puis à 11h, effectivement. Et puis, le coup est lancé, quoi. Pour des sondages, j'ai fait, dans des sondages, ça y est. Il était en preuve, et puis en vérité, tout, que entre 10h et 1h, et puis 7h et 9h,
nous avons un compte qui vraiment qui très hausse. Bon, ça nous remarque, c'est que c'est pas même au réorganisé encore avec compar. Bon, c'est pas provisoirement. Bon, ça, bon, nous avons dit provisoirement parce que. C'est pas ce même bail, c'est pas ce même horaire, même programmation. Peut-être qu'avec une heure de temps en moins que ma bien et dans la soirée. Donc je vais travailler le matin entre 10h et midi, et puis le soir 7h-8h, et puis samedi matin et entre 9h et midi, et puis le soir entre 8h et 10h. Donc ça t'a gagné l'autre de, en fait, d'autres ouvertures, par exemple de temps en temps dans la programmation, par exemple pendant la semaine, là, de ce genre. Mais dans ce premier temps, et ma travail non le ça n'est pas ça de c'est pas que même bayo forme de que calix pour le moment parce que il y a plus moyen parce que c'est certain que ou bayo ou qui j'ai envoyé donc au point de vue technologie donc la joie utiliser dernière technologie donc il y a plus moyen tout parce que ce sont des gens dynamiques et qui sérieux tout qui veulent font radio sérieux et Vision 2000, sincèrement, c'est la radio du futur. Donc ça veut dire qu'il y a plus moyen. Donc ça veut dire que, en fait, le problème que je vais gagner au niveau de notre radio pour me faire une transmission, par exemple, on balance en soirée dans un bail de ce genre. Donc le problème, ça ici, parce que c'est en claquant seulement le doigt, donc toutes les installations sont faites. Et je connais qu'il y a des appareils d'électrique pour ça. Donc, en fait, techniquement, il y a des moyens. Donc ça veut dire que si il y a moyen, si il y a si technique la limite c'est prêt. Donc c'est pas ressources humaines qui vous pas travailler. Pour ça nous fait un plus plaisir que à chaque fois que moi rentre un promoteur, un artiste, un chanteur, un guitariste et quel que soit un musicien que lui, il a dit mon cher Loco parce que l'itérité et dans notre tête que m'étais en congé. OK, dans cette version ça que demain autour. Donc mais il y a des gens qui m'a dit qu'il a congé ça fini. Donc moi-même, bon, il y a des gens qui m'expliquent ce qui s'est passé, donc qu'ils ont fait tout. Bon, mais que, m'a donc, oui. C'est Musique Haïtienne qui était en congé pendant un mois et demi. Donc bon, c'est tout que Titan nous t'a fait, nous pas là. Donc bon, faut ça dériver, ouais. Donc d'abord le bon dit, et nous sommes rebondis là. Et sincèrement, c'est toujours le même travail là. Et comment dire que il y a plus moins ironie et il y a possibilité pour nous même retransmettre une balle au niveau des États-Unis d'Amérique. Vision 2000.